Bonjour. 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 Bonjour, Jean-Edouard. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, ça va? Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Bonjour, tu vas bien? Vous êtes des habitués des livres maintenant, vous connaissez pas? Rapidement, parce que malheureusement je vais aller remettre des coupes, je m'excuserai Hervé. Les députés indiqués par un protectionnisme qui ne donne pas des chances à notre société et aux gens. Et donc nous devons être le parti qui relève les défis, le parti qui regarde l'avenir avec ses dangers, mais qui ne peut pas refuser de se situer de plus que de nier la mondialisation. C'est comme si vous niez le soleil ou la lune. La mondialisation, c'est un état du monde d'aujourd'hui. Et notre problématique n'est pas de refuser un état du monde, elle est de faire en sorte de surmonter. Il est parti en portage, il est obligé de partir créer sa boîte, et là, ça recommence, c'est le bordel. Merci pour cette question. La question que tu viens de poser, par rapport à ce que vient de répondre M. le ministre, je crois qu'effectivement le statut auto-entrepreneur, pour la frange d'entrepreneurs qui sont... ...des sondages pour faire un bilan, puisqu'il y avait de la contestation, notamment du côté des artisans du bâtiment, qui estimaient que les auto-entrepreneurs ont posé une concurrence déloyale. Alors d'abord sur le premier point, qui est le point du travail au noir. Le travail au noir existait avant, la chance au départ. Parce que, en fait, c'est l'idée qui fait la différence. Et l'idée, bah, vous pouvez l'avoir aussi bien si vous êtes dans le 92 que dans le 9-3. C'est-à-dire... Contrôler les auto-entrepreneurs. Il n'y a pas aujourd'hui une consigne. En tout cas, elle n'est pas revenue jusqu'à moi. J'ai 6 sociétés. Et j'ai eu l'idée de ma première société, j'ai créé ma société en 2000. Donc le mot de conclusion pour dire que je suis très heureux d'être avec vous ce soir, très heureux d'être dans les Hauts-de-Seine et très heureux de voir que la fédération donc des jeunes actifs des Hauts-de-Seine est sur les rails avec Aurélie et Vincent.